Voilà un match, voilà une rivalité qui ne laisse personne indifférent. Rendez-vous dans quelques secondes pour le coup d'envoi. Salut tout le monde, c'est l'heure de se retrouver pour cette affiche en direct des tribunes de San Siro. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine du commentateur pour vous faire ce match face au football italien et à ce match de série d'actifs. Le but de stade au son, grande ambiance, c'est l'ambiance des grands. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme, une exhibition artistique. Nous sommes dans une extase, ça en recouvre un raisonnement. Yeah.
puissance, sur la précision et la surprise qui a tout dans cette frappe très lointaine. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Tout le monde doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui. On sent une certaine fluidité, une capacité à connecter avec le reste de l'équipe. Maintenant, il faut continuer en seconde mi-temps. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Kaloulou. L'équipe retrouve la possession. Thank you.
dernières minutes maintenant de la rencontre. La passe en profondeur, c'est dangereux. La perte de la gagne pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. Le ballon pour Milan prendre l'avantage peut-être. Corner. Le ballon renvoyé par le défenseur. La frappe lointaine. Ah non.
match nul et donc pas de vainqueur, pas de célébration. On ne peut pas toujours finir avec le spectacle pyrotechnique, les pétards, les klaxons, c'est du sport, pas le 14 juillet. Un match nul, ça ne vaut pas forcément dire un mauvais match.